Bonjour, bienvenue ici à la ferme de ta vie sur le plateau du Gerny. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu nos activités. Donc, c'est un système qui permet à chaque vache de venir plus ou moins quand elle en a envie. Et il y a un circuit dans l'étable qui justement oblige la vache à passer systématiquement dans le robot, pour autant qu'elle soit en permission de traite. Bonjour, Bonjour. Viviane. Ça va? Ouais, toi. Oui. T'es prête? Oui. Ici, on met le lait dans la cuve, on va le réchauffer parce que avec le robot, on a pris du lait froid. C'est la différence, le robot, c'est un peu plus embêtant parce que comme il ne traite qu'une vache à la fois, on ne sait pas prendre du lait chaud. Là, maintenant, on va mettre des ferments d'affinage au début du chauffage du lait. Les ferments, ils doivent au moins agir 30 minutes. Voilà, on va en présurer. Ça va faire cailler le lait. Donc vous allez voir, le lait est liquide et puis grâce à ça, il va se durcir. Et après, on pourra le découper. Attention, Viviane. On est toutes les deux dans notre ferme, on ne voit pas de gens. Ici, ben, on a plus le contact avec d'autres personnes que les hommes qui viennent dans la ferme. Oui, ça fait ça. Tente une expérience, voilà. Vous voyez, ça se coupe. Il est bon. Donc voilà, on a fini de mélanger. Après 10 minutes, on va enlever le sérum. D'ici fin de l'année, on espère avoir un atelier de fabrication chez nous à la ferme. Donc, ce sera plus facile pour nous et puis aussi ça permettra à d'autres producteurs de venir ici parce que voilà, il faut que tout le monde puisse venir et que tout le monde puisse essayer ce qu'on a fait. Donc on propose des plateaux de dégustation soit pour manger à la fin d'un repas ou carrément pour manger en repas entre amis. Je trouve que c'est fort exigeant, on a beaucoup de travail, c'est pas très rentable. C'est peut-être ce qui rapporte le moins dans la ferme. Mais c'est ce qui nous procure le plus de plaisir, de contact et de piment dans la vie. Voilà.